Hey, salut YouTube, c'est Juanito. Merde. Mais sérieux. Hey, salut YouTube, c'est Juanito. On se retrouve sur Scrap Mécanique, les amis, dans Doctor Skills, où aujourd'hui j'ai de belles créations à vous montrer. C'est moi qui les ai choisies, on me les a pas envoyées. C'est les créations de Lady Grilka, qui apparemment est belge, hein, puisqu'on voit un beau drapeau, et qui fait des véhicules qui sont tout juste magnifiques et techniques. Donc bravo à elle, j'avais déjà présenté des véhicules donc de Lady Grilka dans un autre épisode de Doctor Skills, où c'était les véhicules de Jurassic Park. Et ben là j'ai une petite sélection que je vais vous montrer certainement en plusieurs fois, puisqu'aujourd'hui on va avoir que deux véhicules, qui en valent vraiment le coup et qui sont magnifiques. Tant dans leur technicité, que dans leur réalisme, que dans leur proportion, que dans leur réalisation. Il n'y a vraiment rien à jeter, rien à redire. C'est tout simplement, les amis, parfait. Alors, si vous aimez de me revoir sur Scrap Mécanique, si vous appréciez le contenu et si vous voulez voir plus de Dr. Skills et de présentation de véhicules, eh ben faites-moi en part, laissez votre plus gros pouce bleu, laissez un commentaire et puis abonnez-vous si ça n'était pas déjà fait. Alors, on commence avec ce magnifique Trophy Car. C'est, je sais pas comment elle l'appeler d'ailleurs, voyons, on va sortir. Alors vous voyez qu'il y a même un petit trou en haut pour qu'on puisse sortir sans problème. C'est un Trophy Truck, pas un Trophy Car. Et donc, Creator Lady Grilka, New Version of My Pro Truck. Alors c'est pas la première qu'elle fait, c'est clair que là ça doit être la 4ème ou la 5ème. Ce qui est bien, c'est qu'on va pas avoir besoin de retourner le véhicule, on peut tout regarder d'ici. Donc vous pouvez voir que là, il y a deux gros bras avec des pièces qui sont fines, qui sont sur des articulations. Alors, c'est pas des articulations, c'est juste pour que ce soit penché et que ça puisse donc se rattacher au-dessus. Il y a un gros système de suspension arrière, un gros système de suspension avant qui sont croisés, qui sont faits avec des plats pour pas qu'il y ait des blocs qu'il y a jusqu'au sol. Donc regardez comme c'est super beau, super fin. Vous voyez qu'il y a une suspension de chaque côté. Il y a une partie rose et une partie grise pour pas qu'on mélange. Et à l'arrière, c'est vraiment la suspension aussi du Trophy Truck. The restable and turn at high speed. Sorry for the number of mods, but no 5x2 balloon wheels in the mod pack. Et ouais, forcément, c'est vrai que ces roues sont très très belles en balloon wheels. Elle en a mis derrière aussi, comme dans les vrais Trophy Truck. Et la forme est super stylée. Hein. Jusqu'aux petites... alors attends, on va prendre le marteau, voilà. Jusqu'aux petits angles, vous voyez que tous les bords là, et avec les plats et tout ça, les formes sont très travaillées. Ça a l'air de rien, parce que le véhicule est tellement bien réussi quand on le voit comme ça, que ça a l'air super simple. Mais non, il y a quand même beaucoup de travail pour avoir ce rendu là. Et c'est surtout après au niveau de ces suspensions que c'est juste hallucinant. Hein. Vous voyez, alors ça c'est les... Il y a double suspension j'ai l'impression, puisqu'il y a celles là qui sont ici, qui sont accrochées à des roulements, vous voyez. Et on a celles de derrière là, qui elles aussi viennent s'accrocher sur un côté. Donc ça fait comme un système vraiment de vrai truck. Et là encore, vous voyez que c'est articulé, tout le bras gris est articulé. Mais il y a un autre double bras là qui revient ici. Pff, ce truc, il est incroyable. Franchement, quand j'ai vu ce véhicule, j'ai halluciné. Je suis vraiment fan. Et en plus, regardez le petit cube là qui a accroché. Très bonne idée. Je suis conquis par ce véhicule. Je suis impressionné. J'espère que vous aussi. Alors allez, n'hésitez pas à aller voir son workshop. Allez, Lady Grilka, je vous le mettrai certainement dans la description. Et là, ce que vous pouvez voir sur cet engin, surtout qui est très cool, c'est que les roues avant, ça fait vraiment... comme un vrai Trophy Truck. D'ailleurs, je vais vous le montrer comme ça. Ça va être mieux qu'en passant dans une bosse. What? 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 Je peux plus sortir. Attendez, on va faire comme ça. Hop là. Et donc, regardez ça. Quand on monte à l'avant, vous voyez que les roues s'inclinent vers l'intérieur. Regardez. Hop, on les repose. Et hop, on remonte. Et vous voyez qu'elle plie du bon côté comme un vrai Trophy Truck. Regardez comme c'est trop beau. L'impression que ça donne... d'avoir énormément de débattements. Voilà, c'est très très bien réussi. Alors, est-ce que je peux sortir de là maintenant? Ah, ça va, on s'en sort. Allez, yes, yes, encore un peu. Même la calandre, hein, est stylée et tout. Alors, ça fait un peu Dacia, là, le petit truc bleu sur l'avant de la calandre, mais bon. Allez, on va tester ça dans les boss et on va passer au véhicule suivant. Donc, encore une fois, félicitations pour Lady Grilka. Regardez les suspensions, comme ça marche trop bien. C'est juste parfait. Vous voyez, ça c'est plus... les essieux ne sont plus symétriques au châssis, en fait. Les roues se penchent. On a une roue gauche plus haute que la roue droite, etc. Il y a vraiment plusieurs axes. Et niveau tenue de route, après, c'est parfait. Hein. Alors, moi, je trouve qu'il ne tourne pas énormément une fois qu'on va à grande vitesse. Mais voilà, quand même, il garde bien son adhérence. Il a une maniabilité qui est fluide. Donc c'est vraiment excellent. Regardez les suspensions qui s'écrasent quand on monte, là quand on redescend pareil. Ouais, c'est vraiment hallucinant. Très très beau véhicule.
Vraiment, bravo à toi, Lady. Je pense que je l'ai assez dit, mais je le tirais jamais assez. Et on a les petites lumières, évidemment. Si on appuie sur la touche 1, la rampe de lumière en haut et les phares en bas. Lumière arrière. Il y a tout ce qu'il faut. Allez, les amis, on continue. Et là, attention. Attention, attention, le niveau. Le niveau de construction est juste super high. Vous pourrez difficilement la rejoindre parce que moi, les amis, j'ai dernièrement passé les 1000 heures de jeu sur Scrap. Et ben, je pense que Lady, elle en est à largement plus de 1000 heures aussi parce que pour arriver à un niveau de détail de construction et de perfection comme ce véhicule, et ben, je peux vous dire qu'il y a des heures de boulot derrière. Ça se fait pas en un premier jet. Elle a dû beaucoup batailler pour arriver à faire quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de lag parce qu'il y a beaucoup de frottements. Alors, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que on voit que c'est un gros Dodge qui a été aménagé en camper. Et donc, vous pouvez voir que là, tout est fermé parce qu'à l'intérieur, l'aménagement ne permet pas d'avoir des fenêtres. Mais vous voyez qu'elle a quand même fait les renfoncements comme si le véhicule d'origine avait été amélioré et qu'on avait caché les fenêtres pour mettre plus de stockage à l'intérieur. Vous voyez que là, il y a la grande fenêtre derrière qui a été cachée et une autre ici aussi. Et quand même, ça fait un super beau rendu, le fait d'avoir laissé cette incrustation. Alors, regardez la porte. Regardez comme la porte est stylée. Regardez que ça rentre plus vers l'intérieur pour donner une forme. Vous savez qu'un véhicule, c'est jamais droit. Hein. Un véhicule, c'est toujours incliné. Là, cette partie-là est plus écartée que la partie au-dessus, que la cabine dans laquelle on monte, hein, tout simplement. Et vous voyez que là, ça fait vraiment Dodge à l'avant. La calandre, elle est énorme. Alors, je suis plus petit, hein, j'arrive au niveau du pare-choc, mais c'est difficile de faire quelque chose de plus compact que ça. Et c'est extrêmement bien réussi. D'ailleurs, je sais pas comment elle a fait. Ah, elle a mis une petite plaque ici, regardez ça. Elle a mis un petit triangle pour pouvoir cacher et que ça fasse juste le contour gris. Là, ça, on doit pouvoir l'enlever. On se retrouve avec le bloc qui est ici. Ouais, rien que ce petit détail, regardez la différence que ça fait. Et ouais, c'est ça la construction. C'est le souci du détail. Là, on en a mis aussi, hop. Et c'est tout juste magnifique, c'est magnifique. Alors, on s'attaque à cette porte, puisque regardez comme elle est sympatoche. Par contre, elle veut pas s'ouvrir. Dommage. Expérience loupée, les amis. Alors, ça bloque un peu à cause du jeu, hein. Ça bloque à cause des frottements, je pense. Je sais pas où ça doit... Ouais, je sais pas où ça gêne, ça. Faudrait taper de l'intérieur. On va voir l'autre, celle le conducteur, normalement, elle s'ouvre. Oh non, alors attendez. On va recommencer. On va tout recommencer, voilà, repose-toi mon mignon. Non, il a pas envie de s'ouvrir. Hein. Et regardez le marchepied, j'avais même pas vu. Le marchepied est juste trop beau aussi. Alors, est-ce que là, tu vas bien vouloir t'ouvrir? Non, toujours pas. Purée, ces frottements de blocs, c'est chiant. Et j'avais pas vu en dessous, mais je vois que le dessous est bien fini aussi. Il y a comme les gros pots d'échappement, là. Ça, c'est les systèmes de portes qui partent en dessous avec des blocs sur lesquels il n'y a pas de hitbox. Comme ça, ça passe à travers le plancher pour faire des articulations de portes. C'est un très bon système que j'aimerais bien vous montrer si les portes s'ouvraient. Ça lui a rien fait du tout. Alors, j'ai essayé de le taper de l'intérieur, les amis. On va sortir par autre part. On va rentrer par un autre côté. Voilà, alors quand même, regardez ça, hein. Juste le marchepied. Ah là là, c'est énorme, c'est énorme. Et regardez comme c'est trop beau à l'intérieur. Alors, cette porte, est-ce que tu vas finir par t'ouvrir? Non. En tout cas, regardez j'en reviens pas. À chaque fois que je vois ce truc, j'hallucine. Les accoudoirs de porte, les appuyés coudes, hein. Le méga volant. Alors, est-ce que... Alors, attendez, déjà, faut que je remette... Les sièges au bon endroit. C'est tellement parfait. Et est-ce que je peux, voyons, me mettre à l'intérieur? Est-ce que ça tourne le volant? Ouais, ça tourne le volant. Hein. Excellent. Alors, comme bouton, qu'est-ce qu'on a? Donc, déjà, on a les sièges. Alors, les sièges, c'est marrant. Hein. Hop, hop, sur piston. Et vous voyez que là, on est du coup dans le salon. Ensuite, on doit avoir la porte de derrière. 3, ça doit être les lumières, je pense. Voilà. Et 4, c'est pour la porte. Mais je suis très déçu que le jeu bug et que ça passe pas au niveau des collisions. Parce que cette porte, elle devrait vraiment... Alors, on va enlever... On va tout casser. Les amis, on va casser. Faut qu'on arrive à ouvrir cette... Ah ben voilà, vous voyez, ça a pété compliqué. Alors, est-ce que je peux sortir de là maintenant? Par ici, peut-être.
Alors, qu'est-ce qu'on a enlevé? Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Ok, alors, quel bloc j'ai enlevé, là? Ok, j'ai enlevé le bloc qui était devant, ici. Et regardez la porte, voilà, je peux enfin vous la montrer. Déjà, elle s'ouvre d'abord sur piston. Là, il n'y a que des parties... des blocs fins, vous voyez, pour que là, ça, ce bloc-là ressorte. Et c'est pour ça que, du coup, elle est super fine, ici. À tel point que la hitbox du... de la poignée passe à travers. Et là, elle a fait ça avec des petits rebords. Et regardez comme ça va bien s'incruster. C'est hallucinant. C'est tout juste hallucinant, quoi. Le détail de boulot, c'est juste incroyable. Regardez, il y a deux pistons. À quoi ça sert? À rien. C'est juste pour que ce soit joli, à mon avis. C'est juste pour que ça paraisse réaliste. Voilà, fallait mieux en mettre deux pour mieux incruster la porte. Alors, c'est pas tout. Il y a encore des choses excellentes à l'intérieur. Déjà, regardez ce petit, cette petite armoire, comment ça se lève. Le système est... et bien étudié, vous voyez que là c'est que des plates, et que là, tac, l'interrupteur, c'est un gros bloc, et du coup, pour faire un système symétrique, et bien vous voyez qu'elle a rajouté ici ce petit truc, et elle a mis ses roulements, juste là, un roulement vide, un roulement qui a l'articulation, avec, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a le moteur, il y a tout, tout est fait proprement, avec les durites d'eau, regardez là, le pot d'échappement qui est ici, avec le pare-choc en bas, avec les formes qui remontent en oblique, avec les arrondis ici pour laisser passer le pneu, c'est hallucinant. Le pneu qui est rentré à l'intérieur. Hein. Hallucinant, hallucinant. Regardez l'intérieur. La boule de Pokémon. Alors ça c'est juste le meilleur truc du van. Non, c'est pas ça, pardon. Ça, c'est que la lumière. Regardez la hotte. Tous les petits placards, ça s'était rajouté par les mods de Lord Pain avec les baffles. Et regardez le caisson à placard, comme il est bien incrusté. Là, des rangements ici avec les petites fenêtres. Et là, vous dites, mais pourquoi il y a des fenêtres ici? Eh bien, les amis, tout simplement parce qu'à côté de ces rangements, on a un lit. Un lit qui descend sur des pistons. Des pistons qui sont encore cachés dans le plafond. Pour qu'on voie juste les petites tiges. Regardez ça, c'est juste parfait, quoi. Rien à dire. Là, encore des gros caissons avec des ouvertures. La petite table super bien faite. Le petit pot. Alors regardez, là, on peut encore aller derrière. Donc ici, table de cuisson avec les boutons, la plaque de cuisson, les lumières de la hotte. Et là, porte coulissante qui coulisse plus que bien avec la salle de bain par ici. Je pense que là, c'est la lumière. Et là, encore la douche de ce côté-là. Donc voilà, très très bien fait, très bien construit, très bien fini, très bien optimisé, très bien réalisé, très bien cherché, très bien inventé, très très bien. C'est très bien. J'adore, je suis entièrement fan. Voilà. Et ben les amis, on aura fait le tour. Alors on peut aller rouler avec. Hein. Hop, on va tout refermer. Ici on a fermé. Le lit, on peut le laisser là, c'est pas un problème. On monte, on ferme la porte et on va laisser. Non, je suis ressorti. Hop là. On va essayer ce magnifique van qui en plus roule très bien. Hein. Alors forcément, ça peut pas aller n'importe où. Il y a pas mal de lag. Mais on est sur encore une fois le système de suspension pas des plus simples de Lady Grilka. Alors celui-ci, il n'a pas de vitesse, mais la plupart de ses builds, on peut, on peut passer une vitesse pour avoir le moteur électrique plus moteur essence ou que avoir le moteur électrique. Et là, elle a juste mis des suspensions. Alors c'est un peu toujours le même système, mais la base est très bonne et c'est des suspensions qui sont désolidarisées l'une de l'autre, pratiquement. Enfin, ça permet quand même que le véhicule bascule de gauche à droite. Et c'est juste très bien réalisé. Donc félicitations pour ces deux builds, ça fait plaisir de faire un peu de scrap mécanique même si moi je construis pas trop. Je suis sur mon projet de loft, je sais pas trop si je vais le continuer. Dites-moi si vous avez des idées de build, parce que j'ai quand même envie de refaire un véhicule avec tous ces mods. Mais bon, quand je vois ça, sérieusement, regardez sur l'avant de la roue, vous voyez que c'était des blocs qui sont pas en oblique, ça fait des angles et elle a réussi à mettre des arrondis pour que quand on regarde de loin, eh ben, ça fasse, vous voyez, un petit truc arrondi super propre. Voilà, quand je vois ça, franchement, ça me calme un peu au niveau de mes envies de construction parce que, honnêtement, c'est encore un niveau au-dessus ce qu'elle fait. Donc, ça me fait plaisir de montrer ses constructions parce qu'elle n'a pas de chaîne YouTube. Elle serait quand même super célèbre si elle faisait des constructions sur YouTube. Mais vu le temps que ça prend de construire, eh ben voilà, moi je suis le relais. Ça me fait plaisir de vous montrer ses constructions parce qu'elles en valent vraiment la peine. J'ai un peu la tête dans le lit là, à ce moment de la conduite du véhicule, mais c'est pas grave. Donc, les amis, je vais vous en montrer d'autres de ces véhicules parce qu'il y a encore des belles choses à voir. Dites-moi si ce petit format vous plaît. Et puis renvoyez-moi, vous, vos créations dans Doctor Skills, parce que je les montrerai aussi. Donc voilà, on peut se dire que c'est un petit peu la reprise. On va voir s'il y aura une prochaine vidéo de scrap très prochainement. En tout cas, les amis, moi, ça me fait plaisir d'être sur le jeu de nouveau et de voir ces belles constructions. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, je vous souhaite bon jeu. Allez, ciao, ciao.